Oui, cette nuit n'est pas comme les autres. C'est la nuit qu'attend le genre humain depuis 4000 ans. Ce Messie tant espéré, ce salut tant désiré, le voici qui arrive. Comment compter les justes qui ont attendu le Fils? Ils sont innombrables. Qui peut glorifier, comme il le faut, le Fils véritable qui s'est fait nôtre, lui que les anciens justes, en leur jour, ont si ardemment désiré voir? Adam était dans l'attente du maître des chérubins pour qu'il vienne le revêtir des feuilles de l'arbre de vie. Abel a désiré qu'il vînt en son siècle pour contempler l'agneau de Dieu plutôt que les victimes qu'il offrait en sacrifice. Noé l'a attendu pour qu'il le délivre de l'arche, lui qui donne la vie à toute chair. Abraham l'a attendu et il s'est réjoui en esprit, car la naissance de son fils lui a fait désirer de contempler le jour du Fils unique. Isaac l'a attendu et il a désiré connaître le goût de